Salut tout le monde, c'est Amel de Jeu, on se retrouve pour un nouveau Wix vidéo et désolé si cette semaine il y a eu un petit trou au niveau des vidéos, c'est parce que j'ai été malade et qu'il fallait que je me repose, donc on y reviendra un petit peu plus tard. Bref, aujourd'hui au sommaire vous allez avoir le programme tournage, nous allons regarder le débat que j'ai reçu la semaine dernière, à savoir avec combien d'écrans vous êtes sur votre ordinateur, donc 1, 2, 3 ou plus. On va lancer un nouveau débat qui concerne également, pas vraiment les ordinateurs mais plus comment vous regardez mes vidéos. Et ensuite, on parlera du jeu qu'il y a derrière moi. Et peut-être qu'on parlera un petit peu d'autre chose aussi en même temps. Bref, on va commencer par le programme de la semaine. Lundi, ce sera la suite de Zelda Skyward Sword. Mardi, la suite de Yoshi in Sonic the Hedgehog et Luigi's Misadventure 2. Mercredi, un épisode d'Awakening. Jeudi, la suite de Dead Space. Vendredi, la suite de Zelda Skyward Sword. Samedi, la suite des deux hacks. Et enfin, dimanche, un épisode d'Awakening. Voilà pour ce qui est le programme. Alors, parlons-en du programme, parlons-en. La semaine dernière, je vous ai proposé pas mal de vidéos. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, finalement, il n'y a rien qui est sorti. Pourquoi? Parce que j'ai été malade. À partir de lundi, j'ai eu des maux de tête atroces. Pour vous décrire les maux de tête que c'était vous sentiez votre cœur battre, enfin, je sentais en fin de compte mon cœur battre dans la tête. Donc, à chaque fois que mon cœur envoyait du sang dans mes veines, je le sentais là-dedans. Et ça cognait tellement fort dans la tête que je ne pouvais rien faire. Il y a eu ce problème-là. Il y a également énormément de problèmes que j'ai au niveau de la digestion. Je digère très mal les aliments. Mais ça, ce problème-là, je l'ai depuis un petit moment. Et pour ceux qui regardent mes lives assidûment, vous devez savoir que très souvent, je prends des médocs le soir avant de commencer les streams parce que je suis malade. Tout simplement parce que je sors de table avant de commencer mes streams. Donc forcément, je suis un peu malade. Bref, il y a eu tout aussi un cumul d'autres choses qui ont fait que il fallait que je me repose. Et j'ai fait que ça en fin de compte. Je me couchais tôt. Généralement, je me couche après minuit parce que j'ai plein d'autres choses à faire avant. Là, à 21h, j'étais au lit. Hein. Je dormais à 21h et je me levais le lendemain, il était 10h. Quoi. Je dormais, mais je faisais que de dormir. Et en plus de ça, les mêmes journées où je dormais beaucoup, je dormais l'après-midi. C'est même pas rattraper le sommeil. Là, c'est vraiment mon corps avait besoin de se régénérer ou une connerie comme ça. Bref, le fait est que je suis allé voir le médecin. J'ai fait une prise de sang. Lundi, normalement, j'ai mes résultats d'analyse, je verrai un petit peu qu'est-ce qu'il y a, si c'est pas trop grave ou pas. De toute façon, si c'est grave, vous allez forcément le savoir parce qu'il y aura un gros frein sur la chaîne. Si c'est pas grave, vous ne le saurez pas. Enfin, vous le saurez évidemment parce que il y aura pas de gros frein sur la chaîne finalement. Mais lundi, c'est également le jour où j'ai un rendez-vous pour mon projet actif pour l'emploi. Donc encore des choses à remplir, à faire, etc. Un truc comme ça de papier à remplir avec des questions vraiment stupides. Donc, on verra. Personnellement, j'étais motivé avant de commencer. Quand j'ai vu toutes les questions qu'ils me posaient et toutes les choses qu'ils me demandaient pour faire leur bordel, disons ce que c'est, je me suis dit, mais putain, mais ça va me servir à quoi de faire tout ça? Parce que tout ça, je le sais déjà. J'apprends rien. Ça me pointe dans aucune direction où je pourrais aller parce que le problème que j'ai moi c'est que je ne sais pas vers quel métier je peux me diriger. Je saurais vers quel métier je pourrais me diriger, je ferais tout pour y aller. Là aujourd'hui je ne sais pas et c'est bien le problème. Bref, je me suis... vous voyez qu'on a beaucoup parlé alors qu'on parlait déjà du programme et c'était pour vous dire pourquoi la semaine dernière il y a eu des trous. Cette semaine on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous, en fin de compte on va attendre, on va voir au niveau de la santé si ça se passe bien. Mais là ça va mieux, donc ce soir, dimanche, il y aura un stream. Il n'y en a pas eu non plus d'ailleurs cette semaine, ni mercredi ni vendredi, donc là on va reprendre dimanche tranquillement. Awakening, il n'y en a pas eu du tout qui sont sortis dans la semaine et pourtant j'ai pas mal avancé. Parce que dès que j'avais pas trop mal au crâne, je jouais un petit peu à Minecraft et je joue aussi un petit peu à Dead Rising puisque je me suis fait Dead Rising sur Steam. Mais voilà, très souvent le mal de crâne revenait et je repartais me coucher quoi. Mais j'ai beaucoup avancé sur Awakening, donc il y aura l'épisode qui sortira mercredi, il y aura quand même pas mal de choses à voir et on va essayer de reprendre les choses correctement. Pareil pour Skyward Sword, j'avais vraiment envie de le sortir vendredi parce que je l'avais tourné l'épisode pour vendredi, mais je l'avais pas monté ni rien et je me sentais pas capable de le monter. Du coup l'épisode qui va sortir lundi, c'est un épisode que j'ai tourné la semaine dernière, qui devait sortir justement vendredi. Pour ce qui est des hacks, c'est pas tourné parce que je tourne au jour le jour. Dead Space, c'est pareil. Awakening, je viens de vous expliquer. Et pour ce qui est d'un prochain épisode de Ragnablock, parce que mercredi il y a eu un épisode de Ragnablock, faut que je travaille. J'ai pas mal d'idées pour un autre épisode de Ragnablock, faut juste que je prenne le temps d'y aller. Par contre, j'ai beaucoup bossé pour le prochain épisode d'Holycube. Pour ceux qui regardent un petit peu les Holycubiens en live, vous savez que j'ai fait un timelapse
de quoi vous ne savez pas, mais en tout cas, prochain épisode d'Holy Cube, la semaine qui arrive, très prochainement, donc peut-être mardi, peut-être mercredi, je ne sais pas, on verra, mais il y a beaucoup de choses à vous montrer, peut-être même lundi, tiens, ah, peut-être pas lundi, non, plus mardi au minimum, je pense, voilà. Donc c'est tout pour ce qui est du programme. Maintenant, en ce qui concerne le débat de la semaine, je vous avais posé comme question, combien d'écrans d'ordinateur avez-vous ? 1, 2, 3 ou plus ? Vous avez été 292 à répondre à cette question, dont 260 ont répondu un écran, 104 ont répondu deux écrans, 15 ont répondu 3 et 13 ont répondu plus de 3. Alors je serais très curieux des 13 personnes qui ont répondu plus de 3, à savoir comment sont positionnés leurs écrans, parce que là moi j'ai 3 écrans. Mettre un quatrième écran, ce serait au-dessus de l'autre, du premier en fin de compte. Pourquoi faire ? Pour l'instant, j'en sais rien. À une époque, je me suis dit, bon, deux écrans, c'est bien. Trois écrans, pourquoi faire ? Finalement, trois écrans, je peux plus m'en passer. Aujourd'hui, je me dis quatre écrans, pourquoi faire ? Si demain, je me lance sur un quatrième écran, à mon avis, je risque de le regretter parce que... il me sera utile, finalement. Donc, voilà, je serais très curieux pour les personnes qui ont répondu quatre écrans de me dire exactement... Enfin, pas 4 écrans, mais plus de 3 écrans, me dire exactement à quoi ça leur sert d'avoir plus de 3 écrans, pardon. Est-ce qu'ils font du montage ? Est-ce qu'ils font de la 3D ? Parce que je sais qu'en 3D, t'as besoin de beaucoup de fenêtres ouvertes. Est-ce qu'ils font de la musique aussi ? Parce que je sais qu'en termes de musique, t'as besoin de pas mal de logiciels également. Je sais que Wix m'avait montré quelques logiciels et y a beaucoup de logiciels à utiliser pour faire du bon son, quoi. Donc, je suis curieux. Je me fous pas de votre gueule en disant ça sert à quoi d'avoir plus de 3 écrans. Non, je suis vraiment curieux de le savoir parce que la curiosité, voilà, je suis très curieux dans la vie. Donc il y en a beaucoup qui ont répondu un écran. Et du coup, on va revenir rapidement sur la question que j'ai envie de vous poser cette semaine en termes de débat. De toute façon, c'est déjà marqué dans le ILAO pour ceux qui ont cliqué avant. Mais moi, c'est obvious, hein, j'ai 3 écrans, je peux plus m'en passer des 3 parce que je me sers des 3. Constamment en fin de compte. J'ai toujours une fenêtre où il y a Discord ouverte, une autre fenêtre où tu as YouTube ou Twitch qui est ouvert et la fenêtre du milieu où je fais mes conneries dessus, on va dire. Mais quand je stream, les trois sont utilisés. Donc, c'est tout pour le débat. Merci d'avoir répondu. Maintenant, on se lance sur le prochain débat, à savoir, vous regardez mes vidéos sur téléphone, tablette ou ordinateur ou autre. Voilà, il y a 4 choix possibles. À vous de répondre. Donc voilà, on arrive à la fin du Wix vidéo, c'est un Wix vidéo court, juste pour vous dire les choses telles qu'elles sont. De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, malheureusement. On va parler rapidement du jeu derrière moi. La semaine dernière, c'était Metroid Prime qui tournait, donc bravo ceux qui ont trouvé Metroid Prime. Donc maintenant, c'est à vous de deviner quel jeu tourne derrière moi. En attendant, je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce Wix vidéo. J'espère que cette semaine, il y aura le programme en temps et en heure, parce que j'aime bien respecter ce que je fais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs que je ne maîtrise pas, comme la santé ou voire même le travail. Pour le moment, je ne le maîtrise pas. Quand j'aurai un travail fixe, je le maîtriserai. Pour l'instant, il n'est pas fixe. C'est des rendez-vous à droite à gauche, donc je ne maîtrise pas. Donc, on va espérer que ça se passe bien. Et en attendant, on va passer une bonne semaine et à bientôt. Bye.